Gary Batman. C'est Sharon. Oh, excuse me, Sharon. Monsieur Batman, il y a quelqu'un de Montréal qui veut vous voir. Ah, dis-y que je suis parti avec Robin Williams pour tourner le film Batman et Robin ou quelque chose du genre. Bon, il dit qu'il est parti tourner un film qui s'appelle Batman. Sharon. En français, l'homme gageur. Envoyez-moi le, OK? Ah, il est revenu, vous pouvez y aller. Monsieur Batman. Bonjour, monsieur... Baillargeon, homme d'affaires du Québec. Bonjour, voici mon conseiller, Larry. Hello. Je suis très content de vous voir, j'ai beaucoup à Chris du Québec. Bon, gars, je sais que vous pensez le contraire. Et les Nordiques, sortez-vous-les du derrière. Arrêtez ça, j'ai dit. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Bon, s'il y a un lockout cet automne, les cages au sport n'auront pas de hockey. Ils vont être obligés de mettre occupation double sur les écrans. Ça. So? Et par le fait même de remplacer leur spécial 5 buts, 5 ailes de poulet par 8 cuisses, 8 boules. Monsieur. Le hockey est rentable au Québec, monsieur. Écoutez, plus que dans la plupart de vos villes américaines. C'est tout à fait faux, hein, Larry? Regarde, un chandail du Wild du Minnesota, ça se vend-tu, ça? Ben, non. Non? Garde le logo du Wild du Minnesota. Quoi, c'est pas vendeur? Pas vendeur, vous dites? Ben, ce serait plus vendeur de mettre une photo du maire de Mascouche. De toute façon, c'est moi le boss, pis c'est moi qui décide, hein, Larry? Hey, vous vous prenez pas pour de la marde, vous autres, hein? Quoi, y a-tu quelqu'un qui a envie de se prendre pour ça? Oui, monsieur. Hein? On appelle ça des égouts centriques. À part de ça, je les aime bien, les équipes au Canada. Oui, mais c'est du Québec que je viens vous parler. C'est les Canucks de Vancouver. Ben oui, très beau nom. Ben quoi, c'est beau, Canucks? Ben oui. Comment une phrase avec Canucks? Oui, donc. Au Parc La Fontaine, ça a l'air Canucksus pour 5 piastres. Ah, ben vous connaissez bien le Québec, finalement. En tout cas, le lockout, ça va dépendre des joueurs, hein, Larry? Ah, bien, une autre chose. Quoi? La violence, ça pogne pas au Québec. Tu as les coups de bâton sur la tête, là. Ouais, mais il y a rien ça qui. Ça devrait pas exister. Attendez, je vais appeler ma secrétaire pour lui demander s'il y a beaucoup de demandes pour qu'on enlève ça. Oui, monsieur Batman. Oui, Sharon, tu sais, les coups de bâton d'en face, puis les coups de genoux d'un côte, puis. Oui, oui. Faudrait-tu arrêter ça, ça? Ben, c'est vous qui m'avez dit de continuer. Non, je parle pas d'hier à soir au motel, je parle de la Ligue nationale. Ah, ben, il y a quelques plaintes et c'était là. Merci, Sharon. Personne se plaint. Ouais, vous autres, vous avez été sacrés là pour diriger la Ligue nationale, mais vous connaissez pas le hockey. Hein? Connaissez-vous le hockey? Mais certain. OK, c'est quoi un cross-check? Ben voyons, c'est un chèque écrit par un crosseur. Il y a un 6 pouces. Une main difforme. Il y a un double échec. Essayer deux fois de stationner à Montréal. Il y a une pénalité. Une maladie du pénis. Ben, tu connais rien dans le hockey, mon Batman. Ben voyons, as-tu entendu ça, Larry? Mon Dieu. Oh no. Toutes mes condoléances pour votre conseiller. J'aimais tellement ses idées novatrices.